Nous, femmes, représentons 50% de la population mondiale. Face à la problématique du changement climatique, nous sommes les premières victimes, encore plus celles des pays les moins avancés. Et toute action dans la lutte contre le changement climatique ne peut se faire sans tenir compte des femmes. Alors, pour moi, la meilleure façon de s'assurer de l'inclusion des femmes au processus de négociation de l'UNFCCC est l'insertion de façon systématique de la thématique genre dans toutes les thématiques qui sont discutées au cours des sessions de négociation. La femme est déjà neutre, prenait des décisions. Elle prend des décisions déjà chez elle, à la maison, avec ses enfants, avec son mari ou avec son papa, avec des personnes âgées ou des bébés. Parce qu'elle doit s'assurer que tout le monde a mangé, tout le monde a bu, que tout le monde est en bonne santé. Elle se sacrifie pour une bonne prise de décision qui respecte la vie de tout le monde. Et elle peut être la meilleure personne qui peut négocier le climat. Ainsi, les femmes seront réellement présentes aux sessions de négociation et elles pourront s'assurer que toutes les décisions qui sont prises sont en leur faveur et tiennent compte de l'approche genre. La femme est la meilleure personne qui peut négocier le climat et nous sortir de cette crise qui impacte tout le monde.